Yo les foot trailers, on espère que vous allez bien. Et on s'est réunis ce matin avec un accessoire spécial. Des lunettes de ski. Des lunettes de ski, oui, mais pas que, parce que c'est des lunettes qui vont refaire les effets d'une drogue en trois lettres, le LSD, qui signifie la super drogue ou le... La super drogue est une drogue qui a été inventée dans les années 1884 par un chimiste allemand au cœur d'Amsterdam. Et donc du coup, vous l'avez compris, ces lunettes reproduisent les effets de la LSD. Donc on va faire des activités, des défis foot avec et sans les lunettes pour voir la différence. L'abus d'alcool et de drogue est dangereux pour la santé. Accident! Il y a eu un accident en live, les amis. Oh, dur, jolie voiture en plus. En fait, le gars était en train de regarder ce que je faisais avec le ballon. Ça a détourné son attention et ça a causé un accident. Je suis sûr que c'est ça. Dis, oh putain, c'est Gauthier Fayol! Bon, pas de blessé, on vous le rassure. Je crois qu'il conduisait sous LSD ou. Bon, là, Jordan a mis ses lunettes LSD. Je vais lui lancer la balle et il va essayer de la contrôler. C'est presque impossible. Tu as un stress. Allez, parti! Oh, ça. Alors c'est vraiment difficile parce qu'en fait on voit deux ballons. Bien comme je vous le disais, se droguer c'est mal. Il ne faut pas vous droguer. Oh, oh oui. Yes, trop content, c'est vraiment ultra compliqué. J'ai eu de la chance ou t'as vraiment calculé en compensant? Pour le toucher, j'ai eu de la chance et après avec la sensation je l'ai contrôlé. Genre okay. Le premier contact, chance, et après c'est oh je l'ai eu, yes. Donc bon courage. Tu vas voir, quand je vais lancer le ballon, tu vas avoir deux ballons, tu vas rien comprendre. Ah c'est horrible. Oh putain, mais c'est horrible. En fait j'ai l'impression d'être dans un clip de Jazzy Bass, 3h33. Selon moi c'est pas en sniffant que tu te mets sur de bons rails ou que tu deviens sur Rob. Allez, sur toi. Allez, la deuxième, la troisième. Je faisais semblant pour le spectacle, bien entendu, mais je vais très bien y arriver, y'a pas de problème. La caméra, allez là. Ah! Est-ce que tu abandonnes? Non, j'abandonne jamais. Voilà! Non, non, vraiment, c'est horrible parce que tous les repères sont décalés en fait. À la fois vers le haut, mais aussi sur les côtés. Vraiment, la caméra, si elle est là, moi je la vois ici. Et pareil pour le ballon, j'ai l'impression qu'il est tout proche de moi alors qu'en fait il y a une certaine distance. On va tenter un slalom. Donc, interdit de dépasser les lignes blanches ou slalom. Et à la fin, mini but, il faut marquer. Là, on vous le fait en mode freestyle pour montrer l'exemple. Et après, avec les lunettes. Sans lunettes, c'était vraiment facile. Ok, maintenant on met les lunettes et on va se le faire sous forme de défi. On va chronométrer le parcours. Le chrono s'arrête lorsque la balle rentre dans le but. Autant dire que si tu mets pas le but, t'as déjà perdu. Go! Mais je comprends rien. Je pense que je peux gagner ce défi. Mais pourquoi les gens ils prennent de la drogue, ça sert à rien franchement. Il ne faut pas vous droguer, si vous vous droguez c'est mal. Ok, ok, ok. Ouais, c'est parti. Oh, oh yeah. Ah voilà. Oh oui. Le faon voit le jour au printemps, il ne porte pas de bois. Au début, je voulais la jouer vraiment safety. Et quand j'ai entendu Gauthier dire que j'étais une mauviette, alors je me suis dit, je vais pas me laisser faire, j'y vais. Du coup, j'espère que tu vas pas faire la mauviette. Je préfère être une mauviette gagnante qu'un héros perdant. Oulé. Oula. Oulala. Ça va pas là. Ça fait vraiment tourner la tête, c'est horrible. Ça donne envie de vomir un peu, vraiment. 2, 1, go. Oh, y'a plus de plan. Hey.
J'ai fait tous les plots là. Ouais, ouais. Moi aussi j'ai cru que j'avais sauté des plots. Comment s'appelle un documentaire sur deux plots? Un Deplodocus. Sans surprise, je m'impose sur ce défi. Depuis le défi Griezmann, je me suis dit faut que je prenne ma revanche sur Jordan. Ok, donc maintenant on va être parti pour un défi crossbar, bien entendu, sous LSD, sous chronomètre. Sachant que c'est très dur de courir avec ça, il y a peut-être l'un de nous deux qui va se manger un poteau, un grillage. Quand t'as les lunettes et que tu fais ça, ça déchire. Tout en double. Là je vois le ballon à droite, là je vois le ballon à gauche. Sauf que je suis entre le ballon de droite et le ballon de gauche. Mais je sais que le ballon, si j'enlève les lunettes, il est au milieu. Et du coup j'ai l'impression d'être entre deux mondes parallèles, tu vois. Quoi qu'il est en train de faire un bad trip, on va lui enlever ses lunettes, voilà, ça va mieux. Wouh. Ah bah, attends, sans lunettes, regarde ça. Facile la crossbar sans lunettes. Mais avec les lunettes, pas facile. Facile, pas facile. Allez. Tu dis le ski, tu dis oui ou non? Ah, le ski, oui. Hein. Avec ses lunettes, encore plus que oui. Ou oui, ski. Je déclenche le chronomètre en premier shoot. C'est parti. Hey, mais je suis con, je suis en train de l'aider. Bon, c'est pas grave, allez. La première est offerte par la maison. Je comprends pas, moi j'ai visé dans le but. Ah, le but de droite, but de... Et c'est une transversale. T'as fait la fameuse Dugarry. Dugarry, Zidane. Allez, Lod. Aïe, je vais me casser le téléviseur. Oh là là, ça fait trois fois. Oh, oh, belle lucarne. C'est pas mal. Oh, hey, j'ai touché la main. C'était le poteau. C'est pas la bonne barre, merde. Aide-moi au lieu de monsieur. Mec, hey, tu captes plus rien, c'est de pire en pire, c'est horrible. Franchement, si tu arrives, chapeau, hein, c'est trop dur. Ouais. Ça fait 5 minutes, j'abandonne. J'ai quelque chose à faire après quand même. T'as un chronomètre dans la tête, mais ça faisait 5 minutes tout pile. Ah, je suis fort pour deviner le temps. J'ai toujours eu ce talent. Bon, j'espère faire mieux que Jordan parce qu'il était vraiment pitoyable. Bon, j'espère faire mieux que Jordan parce qu'il était vraiment pitoyable. Oh là là. Ah, je suis mal. Je voulais pas vraiment la prendre en plus, cette drogue. C'était pour faire comme les autres. Je voulais me sentir cool, mais j'en voulais pas de cette canne. Ils m'ont forcé à la prendre. Oh, oh là là. Oh. 4 minutes 21, victoire de Gauthier. Les plus forts drogués. Je prendrai plus jamais cette merde, les mecs. Ça fait 2 points pour toi. Mais la remontada est toujours possible. Avec Jordan, on peut s'attendre à tout. Et on va enchaîner avec l'épreuve de précision. Je crois que j'ai fait une overdose. C'est plus pour moi tout ça. Maintenant, on va tenter de mettre un panier en mode freestyle avec et sans lunettes. Je pense que vous avez compris les règles du jeu. C'est toujours avec et sans lunettes. Exactement. Et c'est logiquement plus facile avec. Non, sans lunettes. Effectivement. Ça y est, là, je suis. Ça commence à nous atteindre là. Jordan est perdu. Et là, Jordan, il a tout déchiré. Heureusement, il n'y a pas de note de style. Sinon, j'aurais perdu un point et on serait à 2-1. Mais c'est pas le cas. Yes! La subite défaite de Gauthier. LSD. Quatrième défi, ça va être un concours de jongle avec les lunettes. Mais avant ça, on va s'échauffer et se faire un Iron Man en mode tour du monde. Xavier, je donne le top. Top. Aucune motivation dans son top. Allez-y les gars, vous me cassez les couilles. Un petit tour. 3, 2, 1, allez. 3, 2, 1, go. Ah mais con. Eh, c'était chaud, on a galéré au même moment tous les deux. Mais j'ai fait l'effort. Mais ça compte pas parce que ce qui compte c'est avec les lunettes, c'est parti. Exactement, j'ai trop réfléchi, je me suis dit vas-y souffle, prends ton temps, là t'es bon. Et je me suis parlé et du coup je me suis dit tiens qu'est-ce qu'on va manger là ce midi. Et j'ai commencé à avoir un dialogue avec moi-même et c'est là que j'ai perdu. Oh. Alors on se donnera un deuxième essai, allez. Et on fera l'addition des deux scores. Oh c'est grave chaud.
Oh putain. Il fait exprès. 4, 5. Et veux tu? Eh mais c'est plus dur que ce que je croyais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah 2, 3, 4, 5, 6. Neuf, dix, oh, 15. J'ai l'impression que c'est une remontada. Ouh, je me sens mieux d'un coup. Ça fait plaisir. Bon bah c'est pas grave Jordan, on fera une belle plus tard, voilà. Exactement. On remet le suspense. Tous les drogues dures, voilà, on vous conseille fortement de les éviter parce qu'il suffit d'une fois pour faire un arrêt cardiaque ou avoir une overdose ou mal maîtriser son corps et voilà, partir tout de suite dans l'excès. Donc c'est pour ça que des lunettes comme ça existent, si vous voulez essayer les effets. Essayez avec les lunettes et franchement voilà, faut éviter ce genre de mettre sa vie en danger comme ça pour s'amuser une soirée, ça vaut pas le coup. L'abus d'alcool et de drogue est dangereux pour la santé.